Et salut à tous, c'est Dev, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Infamous Second Son. Et on commence directement avec de l'introduction qui nous raconte un petit peu l'histoire. On peut pas la passer. Je vous la laisse, mais clairement moi je lis pas du tout quoi. Hop, apparemment aujourd'hui il y aurait un convoi militaire. Ah, on va voir peut-être pourquoi il arrive pas à destination ce convoi. Ça me paraît une bonne idée. C'est beau avec le phare au fond et tout. C'est franchement joli. Hein. La manette sur le côté. Et après, oh, c'est toi avec la manette? Par contre, c'est une sacrée bombe de puncture, dis donc. Bah c'est bon là non? Je sais pas où ils les achètent ces bombes de peinture. Mais la vache elle se vide jamais. Hein. Alors j'ai pas fait le premier Infamous, donc je connais pas l'histoire. Oh la pauvre vieille. Sérieusement, tu veux bien poser cet agrafeux sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur comme ce soir. Mais toi, t'es super, ça te va trop bien. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Oh, juste fait un petit tag. Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que c'est la chance. Alors, tu ferais mieux sortir, sinon j'appelle Betty, et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais les bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes, et si tu es toujours là... Oh, les gentils nous laissent 5 minutes. C'est la dernière fois. Je retourne dans mon bureau, apparemment je vais recevoir un coup de fil. Ça me fait marrer parce que visiblement c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de conneries. C'est pas possible, il y a rien de mieux à faire. Trouver une issue de secours de la conserverie. Bon, c'était pas compliqué. Maintenant c'est le gâteau. Allez à la grande maison et montez un alibi. Oh.
on fait du parcours, on se croirait dans Dying Light. Ah, il peut escalader et tout. C'est trop bien ça. Est-ce que c'est grave si je tombe dans l'eau? C'est froid. Très froid. Par contre, il va plus. Il va pas bouger. Ah, il faut que j'appuie. D'accord, en fait, je suis coincé dans l'eau. Il nage pas. Ça, c'est un peu con quand même. Ah, putain de mouette. Pour un grand garçon capable de faire des tags, de pas savoir nager, ça craint. Il est franchement beau le jeu. Et il m'a l'air dynamique pour l'instant, donc ça va. Ceux qui se demandent, il est en jeu du mois, donc il est totalement gratuit, vous pouvez le prendre. Casse-toi ! Comment il parle à la mouette ? Et là il faut que je saute ? C'est pas passé loin. Franchement, il a pas pris le chemin le plus facile. Il aurait. Regarde pas en bas. Il a le vertige en plus. En fait, je sais pas s'il l'a, mais il se comporte comme s'il l'avait. Bah, tu me diras en bas, y'a que de l'eau. Un bon plan, ça marche toujours. Franchement, t'es pas capable de sauter ça, t'es sérieux? Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et bah peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et non, encore. Mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers avec tes actes de vandalisme? Écoute, il y a un tas de trucs plus pentes. Et pendant que moi, je sais juste exploiter mon talent et faire de mon dos un truc. Exploiter ton talent, bordel, mais de quoi est-ce que tu fais tout le temps ça? Non, pourquoi tu me laisses pas? Allez, vas-y, dis-moi de quel ordre. Si tu m'écoutes, deux secondes, je pourrais t'expliquer. Ah ouais, parce que là, j'y comprends rien. Reggie, quoi? Regarde. Oula. Heureusement que ça part d'une embrouille pour un tag. Que ça parle mal. Des problèmes de famille, quoi. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser. Ne pas s'approcher du truc qui explose. Digé. Fouiller le lieu de l'accident. Il est où? Qu'est-ce que l'armée fout? Soulève-le. Vache merde. Ah, merci. Dis que j'allais y rester. Merde, un flic. Aïe. Lâchez-le. Allez, lâchez-le. Gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne. Je veux juste foutre le corps avant qu'elle rapplique. Je vous ai dit de lâcher, sinon je vais tirer. Ouais. Oh merde, non. Je vais faire de mal à personne. Oula, il y a tout qu'un feu derrière. Ah non, c'est l'explosion de la voiture, d'accord. Je pensais que ça avait mis le feu partout, en fait. Je crois qu'il m'a refilé ses pouvoirs. Ah non, non, c'est bien ce que je pensais. Il y a le bordel. Ouh, what? Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire?
Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai, non! Stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas! Il faut que ça s'arrête! Red, il faut vraiment que tu m'aides là! Il est où? Par dessus? Non, je vais devoir passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Reggie! Non! Reggie! Reg, tu vas bien? Bertie, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais, ok, c'est bon. Aide-moi à pousser! Non! Je peux pas m'arrêter, Red. Je peux pas! Red, ça s'arrête pas! Toi, ça va. Allez, respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Red. Non. Tu es mon frère. Ok. Visiblement, ils savent ce que c'est. Je te le promets, ça va aller. Tu me fais confiance. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un vieux terroriste, il faut l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord. Eh ben, on fait partie des leurs désormais. J'ai besoin de toi tout de suite. D'accord. Allez. Ça va? Ouais. C'est pas du tout comme si je pouvais me transformer en fumée, après tout. Mais jure-moi de ne plus faire tes tours de passe-passe, ok? J'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Shérif, on peut pas entrer! Le bouton est pété! Je crois que Betty y est encore. Oh merde! L'autre est fermé. C'est fermé. Mais comment ils ont pu passer? Moi je sais. Au travers. Tu peux faire ça? Il y a qu'à oui. Rien de savoir. Il est devenu un vieux terroriste. Mais non, il est pas! Et après? Ouais, vas-y, disperse la foule. Ok, je vais revenir avec Betty. Oups. C'était cool ça. Les conduits. C'est bon à savoir. Ah, ça serait cool de pouvoir faire ça, sérieux. Waouh, ça doit faire mal. On dirait que Betty se bat. Je veux pas dire, mais Betty. Elle gère quand même. Je peux pas gâcher la surprise. J'y suis presque, Betty! J'arrive, Betty. Ne vous approchez pas, je vais juste de vous aider. Ne vous approchez pas! Stop! Delphine! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça! T'es un porteur? Betty! Je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici maintenant. Moi, je me casse. Pas avant d'avoir débarrassé de ça. Eh bien joué. J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se rappeler. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs, merde, plus rien pouvait m'arrêter. Excuse-nous. Est-ce que le DUP finisse par me choper? Eh ben bien joué. Ouais. Ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. Ça c'était dégueulasse. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue routine là-bas qui... Il y a
aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc, ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette bouffiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. On dirait qu'à chaque fois qu'on le touche, on va dans ses souvenirs en fait. Je t'ai vu. Fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle me chope, c'est là-bas que la télé ira. Hey, attends, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Tu vas nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Je pense pas que ça s'enlève après une baston, ça, mon grand. Je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, piston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire, d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Hey, tu me saoules à me tirer dessus, là. Tu ne bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça. C'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler. J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. On est en train de le défoncer à coup de chaîne, le type. Par contre, il nous calme direct avec ses petites boules de feu à la con, là. Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en zone. Écoute, mon vieux. Ceux qui vont débarquer viennent pour toi. Sûrement pas pour moi. T'as vu, gamin? Les gens sont courants. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Bonne chance, piston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Pourquoi tu peux pas la traverser, celle-là? Laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, attendez, on peut en discuter. Ou pas. Oh, bah t'as fini en caillou. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot tout le monde, hein? Surtout vous, les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. Moi? Non, pas du tout. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. J'ai peu... Non, je vois pas de quoi tu parles, je suis pas nerveux. Pas nerveux? Voilà, on est d'accord. On n'est pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Non, mais vous avez tous des flingues pointées sur moi, c'est de la lâcheté. Ah, bien joué. C'était bien joué, ça. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de concentration? J'ai passé aucun temps, je l'ai juste couru après. Ça a duré 30 secondes, quoi. Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux aussi. Mettez une balle dans le crâne, quoi? Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Super. Bah moi je suis tout à fait avec toi, madame. Plus j'ai rien contre les rousses. Vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. C'était une question un peu bête, je crois. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Mais et du coup, tu vas te tuer? Vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Bah... Alors, je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans?
Rien du tout. Il paraît que ça fait mal. C'est pas très joli vu de près comme ça. Cachez-moi ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Petit, non, arrête. Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux. Quoi, t'es sérieuse là? Parler, je passerai à quelqu'un d'autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? T'es qu'une salope! Un sacrifié. Oh putain, on a des choix à faire. Merde. Est-ce que je les sacrifie? Non, on n'est pas des enfoirés. Oh! Et ça? Vers le statut d'infâme. Bah nous on veut pas être un enfoiré quand même, faut pas déconner. Plus Béthiel nous a défendu contre les flics, on va pas se mentir. Quoi? Je veux dire, je suis un porteur. Mais c'est pas vrai, tu défends pas les mutants toi. Enfin les mutants, les bioterroristes du coup. Voilà, il t'a touché, et hop. Alors, Betty, vous pourrez peut-être me répondre. C'est, par contre, c'est classe, on dirait qu'il a des écailles qui sortent des gens. Ah! Je t'ai dit la vérité, mamie, tu vas te calmer, toi. Je vais te faire la peau, toi, sale rousse. Tout bien réfléchi, j'aime pas les rousses. Vous êtes engagé sur la... Ouais, ça veut rien dire, hein. Sur un malentendu, je deviens un putain de démon. Je parle pas beaucoup dans cet épisode, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de cinématiques et de dialogues en fait pour l'instant. Étant donné que c'est le début du jeu. Mais les méfaits annuleront votre progression. D'accord. Et si tu fais méfait sur méfait? Ils ont transformé la grande maison en hôpital? Oh là, il y a quelqu'un qui a plein de... J'ai dormi combien de temps? C'est qui? Hey Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici? On peut pas aller voir qui c'est? Dommage. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça? Bah alors, Rousse. C'est combien de personnes? On l'attrape, on la défonce. Dès qu'on la croise, on la défonce. C'est pas vrai. Ah, celle-ci, tu es réveillé. C'est Augustine qui t'a fait ça, non? Oui, mais qu'est-ce que tu croyais? J'allais te dénoncer cette faute vache. Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes. Alors, ça veut dire que tout le monde... On est des incommis. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Bah non, il m'a touché, je l'ai attrapé. Il m'a refilé son sida direct. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon.
Non, merci, c'est gentil. Je trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts, moi, parce que ça. Ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre enjouer les ravageois, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Sérieux, t'as une maison à gérer? Je vais m'en remettre. T'as intérêt, mamie? Je le vivrais mal un peu quand même. Fais pas le con, Philippe. Oh merde, Delcy. Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes. On en peut plus que ça. T'aurais mieux fait de m'arrêter, frangin. Je dirais que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux talents. À ce propos, ce truc de dingue avec tes mains, ça a disparu ou pas? T'en sais rien. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Delcy, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Quoi? Rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? C'était Augustine et son pouvoir avec le béton là. Quoi, y'a quelqu'un qui peut les enlever du coup? Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Arrête, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Dis. Tout ça, c'est ma faute. Faut que j'arrange ça. Non, écoute, Elsie, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir. Je sais. Tu veux que je lui casse la gueule? Quand on a même pas besoin de l'utile. Juste de son pouvoir. Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir. T'as oublié? Si j'ai la fumée. Pourquoi j'aurais pas le béton? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes quoi? Un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'explique le pick-up. Quel pick-up? Pas de pick-up? Pick-up. Si moi j'en ai pas, hein? Forcément, il en reste qu'un. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok? On descend en ville, après ça on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté du porteur, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir, et on peut rentrer à la maison sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descendons. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a 500 000 de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Non mais je suis pas comme ces types, compris? Ok. Mon but c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la Superman. Ouais. Soigner des gens. Et tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds? Bah ouais. Réveille-toi un peu. Bah allez quoi. Soyez cool. Écoute, t'en fais pas, ok? On va tout arranger. On va te soigner. Me soigner? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés. Oh! Eh ben bien joué. Bon. Eh ben on dirait qu'on va continuer à pied. À pied? Hein? Où est-ce que tu vas?
déconner. Regarde un peu ça. Écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Je rigole. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Ouais, on dirait que c'est là que ça se passe. Un nouveau pouvoir ? Qu'est-ce que c'est cette fois ? Oh ! Putain, Delsin ! Hé, est-ce que ça va ? Eh ben, ça va plus que bien, ouais. Je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Ouais, c'est nouveau. Trop cool. Ah ouais, c'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delsin, c'est tout sauf mieux, ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà. Pas d'en rajouter. Quoi, tu crois qu'Auguste nous attend sagement sans rien faire? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la reine du béton. Et j'espère bien éviter ça, pour toi. Écoute, il y a peut-être un autre moyen pour sauver Auguste. Non, mais on va lui casser la gueule. Quel autre moyen? Laisse-moi lui casser la gueule. J'en ai même certains dans la... Non, c'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. C'est pas un problème qui te concerne, c'est mon problème. Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un? Va sauver la demoiselle en détresse. Va sauver la demoiselle en détresse. D'accord, on y va tout de suite. Non. Je vais donc jouer au super play, tu veux? T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas ici. T'inquiète. Je t'en supplie, surtout ne touche à rien. Je compte bien toucher à tout. Oula. À toi l'honneur, petit. Hé, j'avais pas fini avec ça. Il suffit peut-être que je fasse le plein de poulet. D'accord. Ouais, je pourrais carrément manipuler ce pote-là. Un fragment collecté. Ok, il y a des choses à collecter, ça c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Dans le sens où c'est pas le genre de truc que je préfère dans les jeux, quoi. Pourquoi ça nous amène là? Bon, peu importe. Et sur ces voitures pourraient me refiler de la télé. Quelle voiture? Ah oh. Non, sérieux? Ah ouais, ça doit le faire. Quand on sera en ville, je vais devoir faire gaffe à ces bestioles. Il y a peut-être d'autres. Trois fragments sur quatre. Et le dernier, il est où? Je sais pas pourquoi je l'ai explosé alors qu'il était dans le mur. Oui, j'arrive. Tu croiras jamais d'où venait le bip. Ramène-lui toutes tes fesses, ok? J'ai trouvé un bus plein de bénévoles et il est coincé. Il est où? Oups. Ça m'a déjà pas outché. Mais là-bas, c'est là d'où je viens, il peut pas être là. Ça serait totalement débile. J'aimerais les convaincre de laisser d'accord. Le bus, mais ils veulent pas abandonner le matos médical qui est à bord. Bon, dis-leur de s'accrocher. J'ai décoincé le bus. Delsin, je sais à quoi tu penses, et c'est non. Eh, je viens de descendre une flotte de quadcoptères. C'est pas un bus qui va me faire peur. Ça va prendre des plombes. Il y a sûrement un moyen plus rapide. Option pour accéder à l'amélioration de pouvoir. Appuyez sur croix pour agrandir les fenêtres d'amélioration. Bah, grandissons. Améliorons. Maintenez R2 pour charger un plus puissant et tirer un rayon de fumée. Ça me paraît pas mal. Bon, on va essayer. Rien ne peut plus. Oh, c'est trop cool. Delsin, je t'ai
Désolé, Reg, je t'entends pas. Je suis un héros très bruyant. Je t'entends pas. Je suis désolé, gros. Je t'entends pas. Nelson, je te veux. Oups, ça a coupé. Petit bouton et mes gros doigts. Oh l'enfoiré. Ah par contre j'en ai plus, ça c'est un peu le malaise. Hop. Détruire des barrières de béton qui bloquent le bus. Ouais mais il me faut de la fumée, j'en ai plus. Parce que comme quelqu'un de très intelligent, eh ben j'ai tout gaspillé. C'est un petit peu malaisant. Bon. Là-bas. Okay. Allez, on démarre. On dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer ce truc dans Seattle. Allez, Philippe, tu peux démarrer. Tu as toute la place que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je le vois, moi, je le vois pas bien là. Non, c'est sûr. Monsieur, je vous demande juste une seconde. Par contre, je les ai sauvés, quoi, les enfoirés. Je vais faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foule, d'accord ? Il y en a pour 5 minutes. C'est un peu des salauds. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. Bon, je suis désolé, vous devez entendre le chien en fond. Je sais pas pourquoi il se m'a gueulé comme ça. Il m'emmerde, ce chien, je vais l'échanger contre un hamster, quoi. Il fera moins de bruit, le hamster. Et puis si vous l'entendez pas, tant mieux. Cinq minutes. Bon, pendant ces 5 minutes-là, nous, on va bouger. Ouais, allume le suivi GPS sur ton téléphone, juste au cas où on soit séparés. Ah, tu veux dire maintenant ? C'est quoi, ça ? Pourquoi c'est tout bleu comme ça ? Ah, c'est classe, les épées. Votre attention, la mise en service du pont 520 par ordre du DUT est maintenant imminente. Toutes les personnes, tous les véhicules... Ouais, c'est une info qui peut servir. Non, tu crois ? Je vais traverser les bénévoles. Le DUP, quoi. Nettoyer le pont. Faut venir te chercher, alors. Reggie, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Allô ? Oh, bordel. Du fight. Non, 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 non. Go. Oh, je sens que ça va me plaire, le dire en accéléré. J'avoue que ça a l'air cool quand même. Écoutez, je veux juste traverser le tunnel. Et l'autre il se balade avec son flingue comme ça. Même pas il le pointe vers moi. Mais je veux pas de tes voitures, je veux juste passer moi. Espèce de bizarre. C'est à moi maintenant. Allez bim, tu exploses. Ça va, c'est bon, j'abandonne. Lâche-moi. Coup de chaîne. Ah, t'as oublié le mot magique.
Moi je te respecte pas. T'as voulu me tuer, tu crois que... Tu es fou. Comme il a dit, t'as oublié le mot magique. Qu'est-ce qui vient de se passer? Reggie! Allez, réponds! Oh putain. Ça, c'était un pont. Oui, je crois. Je crois que c'était un pont en effet. Ouais. Bon, je vais pas vous mentir, normalement je fais une vidéo de 20 minutes à peu près. Mais là je suis dedans, je suis à fond dedans, alors je sais pas quand je vais l'arrêter. Je sais pas du tout. Au pire, ça fera une bonne grosse longue vidéo, c'est pas gênant. T'inquiète, t'inquiète, je suis pas loin. Hop, qu'est-ce que je gagne cette fois? Moi je peux faire un super saut. Ça se tente. Ok, le cosmos, continue comme ça. Ah, c'est que quand t'es sur une voiture? Okay. C'est bon, tranquille. Ça c'est un peu nul, hein. Bah on peut pas tout avoir dans la vie. Ah, encore un autre. Tombe pas dans l'eau parce qu'après tu te retrouves comme un nul. Ça fait beaucoup de pouvoir à la suite quand même. Ça se tente aussi ? Y a pas de souci, on va s'amuser, Betty. T'es presque au bout. Ah, par contre, la musique elle est classe. Hein. Ah, ça va maintenant. Ça fait bon. Bien joué. C'était totalement fait exprès. Comment ça, vous n'y croyez pas? C'est pas grave, tant que moi j'y crois, c'est bon. Ah, tu peux pas traverser tous les obstacles. On dirait que j'ai une jetpack dans les bras, quoi. Reggie! Reggie! Non, le bus. Chope-le, fais un truc, je sais pas. Sois un super-héros. Oh, il s'est barré? Il est où, Reggie? Ah, il est là-bas. Oh, le nul. Oh, je suis le pire. J'arrive, mon frère. Un petit coup de main, là. Ça va? Encore ton mauvais bras, hein. Delphine? Ouais, j'arrête. Allez. C'est bon. T'inquiète, gros, ça me fait plaisir. Merci. Regarde ça. Ah, tu commences vraiment à maîtriser tes nouveaux symptômes. Ouais. Bon, le seul inconvénient à tout ça, c'est que... Non, je vois pas l'inconvénient. C'est vraiment énorme. Ah ouais? T'es sûr de ça? C'est type armé jusqu'aux dents là-bas qui veulent te faire passer un sale quart d'heure. C'est pas un inconvénient? Non, tranquille. Écoute, on va leur casser la gueule et c'est tout. On arrivera à te faire passer la sécurité, parce que t'es pas un bioterroriste. Ordinaire, si tu veux. Ordinaire?
Non, non, non. Si pas ordinaire, tu parles des moutons qu'ils essaient de ramasser pour leur faire passer des tests. Alors non, Reggie, je suis pas ordinaire. Mais t'as vu ce que j'ai fait sur le pont? Ils me font pas peur. On va d'abord essayer de te faire passer les postes de contrôle sans que tu te fasses griller. Ce serait beaucoup plus simple pour se déplacer en ville. Sérieux? Ça me paraît intelligent. Okay, d'accord, d'accord. Fais ça à ta façon. Là, je suis petit. Sinon, on peut leur casser la bouche, moi. Tu dois me promettre que tu vas la jouer cool. Même mes ennemis m'appellent Monsieur Cool. Personne ne t'a jamais appelé comme ça. Jamais. Est-ce que ça t'inquiète vraiment? Écoute, les pouvoirs de ces gars du DUP sont pas aussi puissants que les tiens. Enfin, que ceux des bioterroristes naturels. Mais avec ce que le gouvernement leur a mis dans les veines, ils ont de quoi faire des dégâts. Ok, c'est officiel. Tu viens de pourrir mes belles vacances à Seattle. Par contre, t'es obligé de courir comme ça, tu peux pas accélérer? T'as dit que j'étais KO combien de temps? Une semaine. Ah, ça veut dire que le DUP a organisé cette petite fête en... Ouais. Ils ont pas chômé. Une fois qu'on sera passé, je demanderai à mes potes flics de me donner accès aux bases de données de la police. En attendant, fais-toi discret. Je peux passer là-bas? Vers la tronche. Ok, monsieur le patron. Ah ouais, bah c'est chacun son tour. C'est quand tu veux. Cette arme est enregistrée. Monsieur officier de police. Bien fait. Le droit de monter dans un bus, Ah, je suis coincé là, moi, je peux pas. Non. Eh bien. Veuillez placer votre doigt sur le scanner. En fait, le scanner, c'est le pad de la manette. Du coup, j'avais pas. Je comprenais pas ce qu'il me voulait au début. Voilà, bon ben. Le scanner c'était pas une bonne idée, je crois. Delphine, cours! Et merde à la fin! C'est bon. Delphine, reste bien à couvert! Ne me dis pas comment me battre! Meurs. Aïe 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 aïe. Bon, écoutez. On va pas s'emmerder. Reg, on détourne. Je les vois. Oublie pas que les civils sont innocents. T'inquiète, c'est pas des civils que je shoote. Oula, ça c'était dangereux. T'inquiète gros, ça me fait plaisir. Même si tu m'aimes pas, enfoiré. Aïe 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 aïe. On est caché. On lui a mis un coup de chaîne à lui, il a pas dû comprendre toute sa vie. Hop, on va rester un peu caché. Sauve-le. Merci gros. Sauve-la. Oui, ça va, t'inquiète. Casse-toi. Reste discret, comme tu as dit. Bon, reste discret. Je t'appelle dès que j'ai fini. T'inquiète, je suis discret. Oh, je pouvais monter. Oh. Attendez, je vous veux pas de mal. Ah, oh, je peux pas le toucher lui.
Est-ce que si je tire sur un civil? Oups. Mais quel con! Vous êtes censé les protéger de moi! Etienne, j'ai accédé à la base de données de la police de Seattle. Je dirais que le DUP a des yeux et des oreilles partout. Eh ben, on va leur crever les yeux et leur trancher les oreilles. Bon, je t'ai repéré sur le GPS. C'est juste à côté d'un de leurs postes de contrôle mobile. Si tu parviens à dégommer ça, ils auront plus de... blindage renforcé, avec des ports latéraux et un attirail de communication au-dessus. T'inquiète, je gère. Enfin, je gère rien du tout, là, je suis en train de mourir. Oh, pardon, pardon, je voulais pas shooter le... Si, en fait, c'était drôle. Ça valait la peine, ça valait la peine. Ah, je crois que je le vois. Une saloperie de vanne déguisée en arme de Noël. Super. Il devrait y avoir des panneaux sur les côtés. Si tu en détruis suffisamment, le cœur devrait surchauffer et il sera vulnérable. Ok, j'explose des panneaux, ça marche. Ça marche. On explose des panneaux. Est-ce que c'était ça? Ah oui. Ou peut-être pas d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait régénérer un peu tranquille s'il vous plaît? J'ai besoin de fumer les gars. Allez, sauve-le lui. Que tout à l'heure on en a tué un, c'est pas ouf. Faut pas garder ces trucs là pour soi. Oh l'autre. Par contre les contrôles quand on se bat ils sont un peu fait à l'arrache. Barre-toi, tu vas mourir. Faudrait un peu de fumée quelque part. Je sais pas qui c'est qui me tire dessus comme ça, mais... Oh! Wesh, comment tu vas bien toi? Allez, salut! Il y en a une autre. Pouvoir faire ça, c'est trop cool. Aïe aïe aïe, il m'a vu. Je me suis juste sur un malentendu, il me voit pas. Touch menu. Oh, je suis désolé. Voilà, tu peux que être mort par contre. Ennemi abattu. Mais il se tue tout seul, il se balance des grenades. Non, je voulais pas le... Bon, au pire. Ah tiens, qu'est-ce que tu veux toi? Tiens, je lui ai mis une droite. Pourquoi je devrais les maîtriser? C'est vraiment pas cool hein.
de devoir les maîtriser alors qu'ils s'en foutent quoi. Balem, viens là toi. Balem, où tu vas? Toi tu m'as gonflé. Trouve le poste de contrôle mobile. Tac, tac. Détruire le noyau au sommet. Il est où? Ah. Au calme. On fait tous péter des trucs comme ça. Oups. Je sais pas si c'est une bonne chose. Le mec il a une Gatling. Je crois que je préfère les petits modèles. Bon, on peut pas nier qu'ils font des progrès. Hey, je suis sûr que je préfère les petits modèles. Il y avait un fragment là. Ah là aussi. Sauve-la, sauve-la. Vas-y, casse-toi vite. T'es au courant que t'es en train de te faire marave? Hop. Excuse-moi gros. J'ai des trucs à faire à récupérer là. Tu veux finir comme tes petits collègues toi? Je vais mourir. Ah blablabla. Je crois que c'est fait. Voilà. Bon, on peut pas nier qu'ils font des progrès. Hey, je suis sûr que je préfère les petits modèles. On va aller se débarrasser d'eux là. Mais s'ils nous laissent faire, oui. Tout en douceur. Tout en douceur, parle pour toi frère. Que t'as pris très cher là. Oulala. Allez bim, qu'est-ce que tu vas faire? Je te tuerai bien mais j'ai pas le droit. Le jeu il est pas d'accord. Oh, je te fais une petite esquive, toi. Aïe aïe. Par contre, on en parle qu'il mitraille comme ça là. Qu'on pouvait pas le tuer lui. Hey Delphine, je viens de réaliser que tout le DUP a des pouvoirs de pétanque, c'est ça? Alors pas qu'à entraîner un. Hop, pardon, tu me racontais un peu ta vie. Comment je fais? Je peux pas. Ah, c'est là. Bon, peu importe. Oui, oui. Alors, oui, bah oui, je l'ai tué. Pas le temps de vérifier, vieux. J'ai le DUP qui m'en sert de partout. Et alors, sur le camp de là. Ouais, c'est un bon conseil.
5 améliorations disponibles. Option. Mais je peux rien en faire. Ah. Bombe au soufre. Effectuer jusqu'à 2 charges sans toucher le sol, d'accord. On sait jamais. Et ça? Draine les sources de faux fluides. Oh, vas-y, écoute. On s'en fiche un peu. De toute façon, pour l'instant, on va un peu améliorer tout à l'arrache. D'accord, j'ai horreur de ça, mais t'es super pote en bleu. T'aurais pas entendu parler de ces relais de noyaux? Ouais, bah apparemment, ils en ont posé dans toute la ville. La police de Seattle les surveille tout le temps, mais le TUP veut pas leur dire à quoi ça sert. Donc, tu pourrais me dire où ils se trouvent tous? Oui, comme je te l'ai dit. Cool, on t'envoie les emplacements sur mon mobile. Tu leur extorques quelques pouvoirs de plus? Non. Ouais, au calme. Waouh, mon propre frère veut que je combatte le méga giga bioterroriste qui fout les jetons, mais tout ça avec moins de pouvoir. Hé, hey, j'ai pas non plus dit ça. Bon. Trop bien, je suis sur un train. Vaut mieux filer tout droit chez Augustine et qu'on en finisse une bonne fois. Je sais pas trop ce qui va se passer. D'accord, j'ai pigé. Écoute, toi, tu restes bien loin de Augustine. Je t'enverrai tout ce que je peux. Oups. Merci Aïe, le meilleur frangin du monde. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, le meilleur frangin du monde, lui, t'aurait mis à l'ombre à Salmon Bay pour le restant de tes jours. Ah, pas sûr qu'un placard cache un porteur longtemps, mais j'apprécie que t'aies envie de m'enfermer. Sans rire, Iceman, est-ce que le DUP a recruté toute la ville? En tout cas, n'oublions pas que tu gardes l'avantage du nom. Hein, frangin? Tu calcules ça comment? Parce qu'un mec seul est beaucoup plus rapide. Tu veux me rendre service et leur expliquer ça? Peut-être qu'ils remonteront. Hein? Et gâcher la surprise au dernier moment? Salut! Moi je rentre chez eux, j'ai rien à foutre. Oi! Par contre, du coup, moi je suis dans la merde. Pourquoi j'ai fait ça? C'était totalement débile. Trouver les relais de noyau. Ça va, je me casse, arrêtez. Wesh. Activiste attaqué. Ah, oh, mais ça va, il est blessé, il est pas mort, vous êtes pas drôle. Hein. On peut rien faire dans ce jeu, quoi. T'as le droit de tuer personne. Allez, monte. Y'a quoi là-haut? Rien du tout. Ça valait la peine. Des petits fragments, ouais, moi j'aime bien. Il y a des postes de contrôle et des caméras à peu près dans tous les coins. Ça, c'est l'avantage indéniable d'un joueur domicile. Sauf que c'est même pas leur domicile. À quelle heure dire ça? Au calme. Oups. Je crois que j'ai un peu tout cassé. Oups. Ça marche, putain. Je suis presque désolé, quoi. Oh, merde. Est-ce que ça compte comme... Oh, ça a pas l'air de compter comme si j'avais tué quelqu'un. Oh, c'est trop bien. Hop, sur le toit, parce qu'on est des fous, nous.
c'est quoi là-bas le petit truc bleu? Ah, y'en a un qui m'a dit que j'assurais. Voilà. Quoi? Tu menaces là? Arrêtez de me mettre les gars. C'est quoi vos bails là? Ah bah je me suis fait descendre comme un nul. Bon c'est pas grave, c'était tout à fait exprès, c'était volontaire. Ah c'est bon hein. Ah tu m'as gonflé. Le fragment, où tu veux un fragment? Drainer le fragment du poste en ruine. Reggie, il faut que tu vois ça. Le DUP a complètement ravagé la ville. Tous les habitants courbent les chines et marchent comme s'ils avaient peur de leur environnement. Ouais, c'est le principe de la loi martiale. Tu contrôles la ville et le peuple en commençant par les briser. Ouais, les envahisseurs, ça craint. Ça, tu devrais peut-être pas le dire à haute voix, quoi. Moi, je le dis à haute voix, moi, je suis un fou. Oh, wow, 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 toi, tu me gênes, toi. C'est gênant, il était saoulant en plus. Oh pardon, je voulais pas lui mettre un coup de pied à lui. Bon, on se casse. On va se faire tuer sinon. Ils sont en haut. Hop. Hey Reggie, tu sais ces relais de noyaux qu'on a vu en venant? Ils ont dû être explosés avec toutes ces bêtises. Celui-ci est bien scellé. Toute forme que le DUP te laisse emprunter les clés. Alors tu vas devoir forcer l'ouverture. Quel bol que j'ai ces nouveaux pouvoirs destructeurs bien démons. Je sais pas ce qu'ils foutaient mais... Adieu. Ils sont vraiment pas doués. Quand j'étais derrière eux, ils calculaient pas. Hop, ça c'est trop cool, un nouveau pouvoir, on peut faire une onde de choc au sol. Oh, je sens que ça va être génial. Et, et tu fais ça comment? Non mais crie pas, appuie carré. C'est normal qu'ils sont, ils en auraient rien à foutre. Pas mal, hein? Je le refais une petite fois? Non, refais-le pas. Refais-le pas, ouais, t'as raison. Sauve la pauvre dame, là. Ouais, ouais. Casse-toi vite, casse-toi vite. Elle s'est pris un tire-tête. Ouais, elle s'est fait tuer. Allez, bien joué. Bien joué, madame. Tu t'es pris un tir dans la tête, je t'attendais à quoi? Par contre, elle a survécu quand même au tire-tête, hein. Moi je dis cette meuf elle a pas le temps. Là où nous on est simple et faible devant une balle, elle. Elle l'a bien vécu. Est-ce que je pourrais pas me faire écraser par le train? Juste voir si je meurs. Comment ça c'est con comme test? Eh vous me laissez tranquille hein. C'est pas pour dire mieux, mais au rythme où mes pouvoirs augmentent. Je crois que dès le prochain ou celui d'après, je pourrais me la faire. Ok, moi je crois que tu vas te calmer. Je te rappelle qu'elle vient de réduire en miettes un pont de béton et d'acier. Tu te souviens bien? Ok. Alors toi, tu crois qu'un pouvoir de plus suffira pas? Oui, c'est ce que je crois. Ouais, on va voir ça. C'est complètement désert, il n'y a aucun ferry qui en tout sort. C'est pareil à l'aéroport et à la gare. Maintenant que le pont est foutu, le DUP a entièrement isolé la ville. Ça va pas être simple, hein. Je crois que le DUP c'est pareil dans toutes les villes où ils sont appelés. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'ils disent.
Pourquoi les gens laisseraient faire ça? Parce que tant qu'ils sont pas au pied du mur, la plupart des gens ne trouvent pas leur vie pour la liberté ou la recherche du bonheur. Non, ça peut pas être ça. C'était rapide, dis donc. Enfin, la façon dont je leur ai volé le truc, c'est ça que je veux dire. Oh, je le sens bien. Moi, je sais pas. Franchement, ça va voir. Une bombe au soufre. Inoffensive, parce qu'on est un peu comme ça. J'ai usé tous les relais de noyaux que t'as envoyé. Allez, mec, j'en veux d'autres. Non, écoute, ça va, Kaka. Ce truc de bioterroriste te travaille un peu trop, je trouve. Il faut que t'ailles te faire discret quelque part. Tu te reposes un peu. Pourquoi t'insistes avec ce truc de se faire discret? Mais bien, c'est cool. J'en veux plus. Non, non. Je bosse sur une piste possible avec un inspecteur de Seattle. Et on fera rien de plus tant que je serai pas sûr que t'as retrouvé des esprits. Ok, ok. Faire discret, comme si je savais ce que c'est. Ouais, j'avoue, mais on sait pas ce que c'est. Hop, 4 améliorations. Missile de cendre. Si tu veux, laisse-moi. Non ? Bon, d'accord, on fait pas. Je voulais arrêter la vidéo là. Tout simplement parce que je commence un petit peu à fatiguer. Mais tout bien réfléchi. Centre de communication. Eh ben, tu disais que tu voulais la voir pendant qu'on était là. Non. La Space Needle ? La Space Needle. Hop. Regarde comment je vais mourir. Piouf ! Tu attendais pas, hein ? Tiens, toi, je t'ai même pécho. Oups, je crois que j'ai tué quelqu'un. T'es mort? T'es mort. Je crois que oui, il est mort. Oh, on est pas d'accord. Allez, BM. J'ai pas le temps, moi. BM, j'ai pas le temps, je t'ai dit. Aïe. Tu te calmes. On se casse. On n'est pas prêt. On n'a pas le niveau pour ça encore. On vient de commencer à jouer au jeu, on attaque déjà des choses. On se casse. J'ai compris. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait tenter d'améliorer? Amélioration, 25% de fumée en moins. On peut pas, il nous faut le niveau 2 de karma. Appuie sur R2 à portée moyenne. Écoute, on va faire ça. Et bombe au soufre. Écoutez, je pense qu'on va faire ça. Voilà. Parce que on va faire ça tout simplement. Écoutez. De toute façon, il nous faut des fragments, on finira par les avoir. Mais non, tes batteries sont pas à plat. Hop. Ouais, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était une assez longue vidéo, je pense. On va sauvegarder. Hop, bon là, vous voyez pas, mais je suis en train de sauvegarder une partie, hein, c'est tout. Est-ce que c'est bon?
c'est bon, c'est parfait. Bon, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Allez, bye, c'était Dev.